puissance du Dieu se manifeste. Le pouvoir de Dieu aussi, c'est que de la foi pour la savoir, pour la foi de toi pour nous que tu nous, et de toi pour la nationalité de nous, et de toi pour la nous donne le temps de Dieu, et de toi pour la foi. Voici le jour du Seigneur, jour de toi. Très saint Père, c'est pour moi une grande joie de vous saluer au début de cette Eucharistie, à l'issue de laquelle vous remettrez au président des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar l'exhortation apostolique sur la deuxième assemblée spéciale du synode des évêques pour l'Afrique. Pour la deuxième fois, vous foulez le sol africain en tant que successeur de Pierre.
pour raffermir la foi de cette Église famille de Dieu. La première fois, vous étiez au Cameroun et en Angola pour lancer les travaux du synode, en remettant aux évêques l'instrumentum laboris. Aujourd'hui, vous êtes au Bénin pour nous en livrer les conclusions. Cette double initiative explique à quel point le continent africain vous tient à cœur et combien plus le thème de cette réflexion collective des évêques sous votre autorité vous préoccupe. L'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est le thème autour duquel vous avez réuni les évêques de tous les pays d'Afrique, de Madagascar et des îles adjacentes, avec nos confrères évêques venant des autres continents. Ensemble, nous avons exploré les contours de ce thème et la mission à laquelle nous sommes engagés. Maintenant, vous venez, très Saint-Père, nous transmettre les fruits de ces réflexions et nous tendre la main en assurant à nos cœurs. Afrique, lève-toi. Quoique meurtrie, l'Afrique ne manque pas de ressources pour gagner le pari de son relèvement. Elle a seulement besoin de l'amour de ses enfants et de la solidarité de ses frères et sœurs en humanité. Ainsi, cette Afrique, berceau de l'humanité et de la famille, pourra devenir aussi le berceau de la réconciliation, de la justice et de la paix. Très Saint-Père, le peuple béninois est heureux d'accueillir ce grand événement. Je vous transmets sa joie et sa reconnaissance pour votre choix porté sur ce pays après les deux visites de votre bienheureux prédécesseur en 1982 et en 1993. C'est en ce même lieu, dans ce stade de l'amitié, que le bienheureux Jean-Paul II, à l'occasion de sa première visite, recueillait avec nous des fruits de l'évangélisation en conférant le presbytérat à 11 diacres de l'archidiocèse de Cotonou. Et quel bonheur pour nous que 18 années après, à l'occasion du jubilé des 150 ans d'évangélisation, vous convoquiez toute l'Afrique au Bénin. Cet honneur que vous nous faites est grand et nous vous en remercions d'un cœur unanime et joyeux.
Très saint Père, nous connaissons votre intérêt pour la famille africaine et nous vous remercions pour le précieux soutien que vous lui apportez à travers l'Institut pontifical Jean-Paul II pour études sur le mariage et la famille, section de l'Afrique francophone. Cette section de l'Institut, implantée à Cotonou, sur la terre béninoise, en 1997, a déjà, depuis lors, formé des dizaines d'agents pastoraux de compétences appréciées pour toutes nos églises d'Afrique. Notre plus grande préoccupation est qu'elle ait plus de moyens pour accomplir pleinement sa mission. Avec toute cette assemblée réunie de divers horizons, je vous invite à présider cette Eucharistie, sacrement de notre réconciliation et de notre justification en Christ. Bonne célébration, très saint Père. La rencontre de l'Église famille du Bénin et de celle de toute l'Afrique avec le successeur de Pierre, le pape Benoît XVI, trouve son centre et son sommet dans la célébration eucharistique. Les saints mystères dans lesquels le Saint-Père va nous introduire sont le mémorial de la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nécessite de notre part une pleine adhésion de foi et une prière intense. Nous sommes donc invités à vivre ces mystères de grâce dans un grand recueillement et dans une participation active en évitant tout ce qui peut nous détourner des mystères célébrés. Ainsi, nous demandons à tous de ne pas agiter des pancartes ou des banderoles et de ne pas applaudir au cours de la Sainte Messe. Nous trouverons dans les livrets qui nous sont distribués les textes et les chants de notre liturgie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
existió. Tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour tous les siècles des siècles. Amen. Isoako. Ino, yesoro Ezekiel ugerwa. Yini gusnon gariwe. Ten, konse nenti mda, mnenyanu kasuma pa uninori. Yini gusnon wa ugerwa. Mdeme yakparo. Ura winya runori me anema konenya runori pa unikasunda nyankuro mikakoru kanyawokuru nuni sambakwa nu yarina pa uniyakiama mea inigusno ogerwa Nena kone nyanu para. Nena komade nuera. Mea inigus no ogerwa. Nyate takonra konte kasonda. Te takonra
konkate urama. Teta mera mo kontem botea. Teta ndamo konte dam sosia. Teta boru mata damo nante derimo tudona. Konte para dede. Ini gusno ne. Une ne nyagon. Ade agiamma. Konyanu kanyanu siria. Pa unyakineru kabokineru siria. Parole du Seigneur. Jesus Christ, domine, Jesus Christ, domine, cacadão.
vive, Jesus Christ no vive, Jesus Christ no vive, na solo e. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. La solo est. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif
et nous t'avons donné à boire. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. Quand j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'épiscopat et le sacerdoce, chers frères et sœurs, à la suite de mon bienheureux prédécesseur, le pape Jean-Paul II, c'est une grande joie pour moi de visiter pour la deuxième fois ce cher continent africain, en venant chez vous, au Bénin, et de vous adresser un message d'espérance et de paix. Je voudrais tout d'abord remercier très cordialement Mgr Antoine Gagnier, archevêque de Cotonou, pour ses paroles de bienvenue et saluer les évêques du Bénin ainsi que tous les cardinaux et les évêques venus de nombreux pays d'Afrique et d'autres continents. Et à vous,
à vous tous, frères et sœurs bien-aimés, venez participer à cette messe célébrée par le successeur de Pierre. J'adresse mes salutations les plus chaleureuses. Je pense certes aux Béninois, mais aussi aux fidèles des pays francophones voisins, le Togo, le Burkina Faso, le Niger et d'autres. Notre célébration eucharistique en cette solennité du Christ, roi de l'univers, est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le 150e anniversaire des débuts de l'évangélisation du Bénin, ainsi que pour la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques qui s'est tenue à Rome il y a quelques mois. L'évangile que nous venons d'entendre nous dit que Jésus, le Fils de l'homme, le juge final de nos vies, a voulu prendre le visage de ceux qui ont faim et soif, des étrangers, de ceux qui sont nus, malades, prisonniers, finalement de toutes les personnes qui souffrent ou sont mises de côté. Le comportement que nous avons à leur égard sera donc considéré comme le comportement que nous avons à l'égard de Jésus lui-même. Ne voyons pas là une simple formule littéraire, une simple image. Toute l'existence de Jésus est une illustration. Lui, le Fils de Dieu, est devenu homme. Il a partagé notre existence jusque dans les détails les plus concrets, se faisant le serviteur du plus petit de ses frères. Lui, qui n'avait pas où reposer sa tête, sera condamné à mourir sur une croix. Tel est le roi que nous célébrons. Sans doute, cela peut nous paraître déconcertant. Aujourd'hui encore, comme il y a 2000 ans, habitués à voir les signes de la royauté dans la réussite, la puissance, l'argent ou le pouvoir, nous avons du mal à accepter un roi qui se fait le serviteur des plus petits, des plus humbles, un roi dont le trône est une croix. Et pourtant, nous disent les Écritures, c'est ainsi que se manifeste la gloire du Christ. C'est dans l'humilité de son existence terrestre qu'il trouve son pouvoir de juger le monde. Pour lui, régner est servir. Et ce qu'il nous demande, c'est de le suivre sur ce chemin, de servir, d'être attentif aux cris du pauvre, du faible, du marginalisé. Le baptisé sait que sa décision de suivre le Christ peut l'amener à de grands sacrifices, parfois même à celui de sa vie. Mais comme nous l'a rappelé saint Paul, le Christ a vaincu la mort et nous a entraînés à sa suite dans sa résurrection. Il nous introduit dans un monde nouveau, un monde de liberté et de bonheur. Aujourd'hui encore, tant de liens avec le monde ancien, tant de peurs nous tiennent prisonniers et nous empêchent de vivre libres et heureux. Laisse le Christ nous libérer de ce monde ancien. Notre foi en lui, qui est vainqueur de toutes nos peurs, de toutes nos misères, nous donne accès à un monde nouveau, un monde où la justice et la vérité ne sont pas une parodie, un monde de liberté intérieure et de paix avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Tel est le don que Dieu nous a fait dans notre baptême.
Venez, les bénis de mon Père, reçus en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Accueillons cette parole de bénédiction que le Fils de l'homme adressera au jour du jugement à ceux et à celles qui ont reconnu sa présence parmi les plus humbles de ses frères, dans un cœur libre et rempli de l'amour du Seigneur. Frères et sœurs, ce passage de l'Évangile est vraiment une parole d'espérance, parce que le roi de l'univers s'est fait tout proche de nous, serviteurs des plus petits et des plus humbles. Je voudrais m'adresser avec affection à toutes les personnes qui souffrent, aux malades, à celles qui sont touchées par le sida ou par d'autres maladies, à tous les oubliés de la société. Gardez courage, le pape vous est proche par la prière et la pensée. Gardez courage, Jésus a voulu s'identifier aux petits, aux malades. Il a voulu partager votre souffrance et reconnaître en vous tes frères et tes sœurs pour les libérer de tout mal, de toute souffrance. Chaque malade, chaque pauvre mérite notre respect et notre amour, car à travers lui, Dieu nous indique le chemin vers le ciel. En ce matin, je vous invite encore à vous réjouir avec moi. En effet, voici 150 ans que la croix du Christ a été implantée sur votre terre, que l'Évangile a été annoncé pour la première fois. En ce jour, rendons grâce à Dieu pour l'œuvre accomplie par les missionnaires, par les ouvriers apostoliques originaires de chez vous ou venus d'ailleurs, évêques, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, ont permis l'extension de la foi en Jésus-Christ sur le continent africain. Je salue ici la mémoire du vénéré cardinal Bernard Ngantin, exemple de foi et de sagesse pour le Bénin et pour le continent africain tout entier. Chers frères et sœurs, tous ceux qui ont reçu ce don merveilleux de la foi, ce don de leur rencontre avec le Seigneur ressuscité, ressentent aussi le besoin de l'annoncer aux autres. L'Église existe pour annoncer cette bonne nouvelle. Et ce devoir est toujours urgent. Après 150 ans, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore entendu le message du salut du Christ. Nombreux sont aussi ceux qui sont réticents à ouvrir leur cœur à la parole de Dieu. Nombreux sont ceux dont la foi est faible et dont la mentalité, les habitudes, la façon de vivre ignorent la réalité de l'Évangile, pensant que la recherche de bonheur égoïste, du gain facile ou du pouvoir est le but ultime de la vie humaine. Avec enthousiasme, soyez des témoins ardents de la foi que vous avez reçue. Faites resplendir en tout lieu le visage aimant du Sauveur, en particulier devant les jeunes, en recherche de raisons de vivre et d'espérer dans un monde difficile. L'Église au Bénin a beaucoup reçu des missionnaires. Elle doit à son tour porter ce message d'espérance aux peuples qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent plus le Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je vous invite à avoir ce souci de l'évangélisation dans votre pays et parmi les peuples de votre continent et du monde entier. Le récent synode des évêques pour l'Afrique
le rappelle avec insistance. L'homme d'espérance, le chrétien, ne peut se désintéresser de ses frères et de ses sœurs. Ce serait en pleine contradiction avec le comportement de Jésus. Le chrétien est un bâtisseur inlassable de communion, de paix et de solidarité. C'est donc que Jésus lui-même nous a fait. En étant fidèles, nous collaborons à la réalisation du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Chers frères et sœurs, je vous engage donc à affermir votre foi en Jésus-Christ en opérant une authentique conversion à sa personne. Lui seul nous donne la vie véritable et peut nous libérer de toutes nos peurs et lenteurs, de toutes nos angoisses. Retrouvez les racines de votre existence dans le baptême que vous avez reçu et qui fait de vous des enfants de Dieu. Que le Christ Jésus vous donne à tous la force de vivre en chrétien et de chercher à transmettre généreusement aux générations nouvelles ce que vous avez reçu de vos pères dans la foi. Aklonon ikon phenouton ledomiji. On this feast day, we rejoice together. On this feast day, we rejoice together in the reign of Christ, the King, over the whole world. He is the one who removes all that hinders reconciliation, justice, and peace. We are reminded that true royalty does not consist in a show of power, but in the humility of service, not in the oppression of the weak, but in the ability to protect them and to lead them to life in abundance. Christ reigns from the cross, and with his arms open wide, he embraces all the peoples of the world and draws them into unity. Through the cross, he breaks down the walls of division. He reconciles us with each other and with the Father. We pray today for the people of Africa, that all may be able to live in justice, peace, and the joy of the kingdom of God. With these sentiments, I affectionately greet all the English-speaking faithful who have come from Ghana and Nigeria and neighboring countries. May God bless all of you. Queridos hermanos y hermanas de África, lusófona que me oís, a todos dirijo a minha saudação e convido a renovar a vossa decisão de pertencer a Cristo e de servir o seu reino de reconciliação, de justiça e de paz. O seu reino pode ser posto em perigo no nosso coração. Aqui Deus cruza-se com a nossa liberdade. Nós, e só nós, podemos impedi-lo de reinar sobre nós mesmos, em consequência, tornar difícil a sua realeza sobre a família, a sociedade e a história. Por causa de Cristo, tantos homens e mulheres se opuseram vitoriosamente às tentações do mundo para viver fielmente a sua fé, às vezes mesmo até ao martírio. A seu exemplo, amados pastores e fiéis, sede sal e luz de Cristo na terra africana. Amém. Recueillons-nous maintenant pendant quelques instants pour méditer en profondeur la parole de Dieu que nous venons d'écouter et pour accueillir avec docilité le magistère offert par le Saint-Père. Tout cet enseignement sera disponible et accessible dans nos langues locales, dans nos différents diocèses de provenance. Credo in unum Deum,
Célébrer les bienfaits de Dieu pour l'Église d'Afrique. Prions-le, mes frères, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Prions pour le pape et les responsables de l'Église. For our Pope, Benedict the 16th, head of the Universal Church, who stands in the midst of our church in Africa, assembled here today.
for all the bishops and their collaborators, that they may have the light, the strength, and the necessary determination to watch over the flock entrusted to them, leading them in peace. We pray you, Christ, the universal King. Prions pour les gouvernants. Os políticos são chamados a servir o bem comum. Não excluais ninguém das vossas preocupações, cuidando particularmente dos setores mais débeis da sociedade. Não coloqueis em primeiro lugar o benefício pessoal, abocando a esta corrupção e, sobretudo, afrontai mesmo as situações mais difíceis com as armas da paz e da reconciliação. Senhor, tem misericórdia de nós. Prions pour les efforts de paix. Prions pour tous nos frères souffrants. Fun gbogbo awon ara wa ti won tun je irora ogun. Irora ebi. Irora awon ohun abami buburu ni gbogbo agbaye. Ni pataki julo lorile ede wa Afrika. Gege bi agutan ti o faragbogbe ki won le ma ni ireti iwosan pipe ati yonu oluso agutan rere eje ki a gbadura. Comment
Pape Benoît a wéti l'indunté. Mora obéri okuna. Na Jésus Christ. En dunia kurupe tingarika iri mwa. Manam. Iri mutata yo shere kuna. Wakati kuru me muna chiape. Ura fo di bana. Ka abanam. Idu nara beri gaya yongwene. Iri pedo. Ka banam. Ibera sede kwe yo. En dunia kuna. En dunia kurupe mare. Demandons à Dieu les fruits du synode. En bénissant Dieu pour le don de ce deuxième synode à l'Afrique et accueillant avec ferveur l'autorité du pape Benoît XVI qui nous a réunis autour de lui, que l'Esprit Saint ouvre l'intelligence et le cœur des fidèles laïcs d'Afrique et affermissent leur volonté pour développer et traduire dans les faits toutes les orientations de ce synode pour une Afrique réconciliée avec elle-même où régneront la justice et la paix. Prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de tes enfants. Et donne-leur la joie d'être exaucés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Oh.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En offrant le sacrifice que te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples le bien de l'unité et de la paix. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spiritus. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est equum et salutare, nos tibi sempre dubique gratias agere, Domine Sancti Pater Omnipotens Aeterne Deus, qui unigenitum Filium Tuum, Dominum Nostrum Iesum Christum, sacerdotem aeternum et universorum regem, oleo exultationis unxisti, ut ipsum in ara crucis hostiam immaculatam et pacificam offerens, redemptionis humanae, sacramenta per aceret. Et suo subiectis imperio, omnibus creaturis, aeternum et universale regnum, immense tue traderet, maiestati. Regnum veritatis et vitae, regnum sanctitatis et gratiae, regnum justitiae amoris et pacis. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tue canimus, sine fine dicentes. Passa mie, wei conto, passa mie, icona charideta, wei conto, passa mie. Osana, 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 alihato isotaye. Clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tum Dominum Nostrum, supplices rogamus arpetimus, uti accepta habeas et benedicas hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia libata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adonare, regere, dinieris, toto orbe terrarum, una cum me, in dignio famulo tuo, quem ecclesiae tue praesse voluisti, et omnibus orthodoxis, atque catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum famularum quetuarum et omnium circumstantium, quorum ubi fides, cogita exte et nota devotio, proquibus tibi offerimus. Velu qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis processuisque omnibus pro redemptione animarum suarum prospe salutis et in columitatis sui tibi qui redunt vota sua eterno Deo vivo et vero.
communicantes, et de memoriam venerantes in primis, gloriose semper virginis Maria, genetricis Dei Domini nostri Jesu Christi, sedet beati Joseph, eiusem virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrea, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Grisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et Omnium Santorum Tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis Tue muniamur auxilio. Hanc ige de oblationem servitutis nostre, sed et cum te familie Tue quesimus dominut placatus accipias, diesque nostros in Tua pace disponas ad cap eterna damnatione nos eripi, et in electorum Tuorum iubias Graecia numerari. Quam oblationem Tu, Deus, in omnibus quesimus, benedictam ad scriptam ratam, rationabilem acceptabilem que facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiat, delectissimi Filii Tui Domini nostri, Iesu Christi. Qui pridi quam pater etur, accipit panem in sanctas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum, ad Deum Patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum calicem in sanctas ac venerabilis manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novet eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Sancta Iesu Gusta Sako kawiwa Sankta Yesu wa sakuwa Wonoku Sako kawiban no di A Yesu ya yo A Yesu ya yo Jimmy. Sed et plebs tua sancta, iustem Christi Filii Tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensionis, offerimus preclare maestate Tue, de Tuis donis actatis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eternae et calicem salutis perpetue. Superque propitia ac sereno vulturis picere dinieris, et accepta haberis, sicuti accepta haberis dignatusis, munera puit justi Abel,
et sacrificium patriarchi nostri Abrahi, et quotibi obtudit sumus sacerdotus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubi hec perfere per manus sancte angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tui, ut quod ex hac alteris participatione, sacrosanctum fili tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti et gratia repliamur. Memento essiam Domine famulorum famularumque tuarum, qui nos pecesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam e societatem donare ligneris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admite per Christum Dominum nostrum. Pequem hic omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso ed in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corpus Christi custodem invitant.
le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Très saint Père, les riches réflexions des pères synodaux de la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique, inspirées par l'Esprit Saint, sont recueillies dans l'exhortation apostolique post-synodale que vous avez voulu, très saint Père, signer hier, 19 novembre, en la basilique mineure de Ouida. Elle offre de précieuses indications pastorales pour l'activité de l'Église en Afrique pour les prochaines années, avis d'un plus grand engagement, non seulement pour la première évangélisation, mais aussi pour une nouvelle évangélisation. Selon Africae Munus, cette dernière se fonde sur le ministère de la réconciliation, qui a son origine dans le cœur transpercé de Jésus-Christ, duquel proviennent, comme deux fleuves, la justice et la paix, qui en traversent le vaste champ de l'Église catholique, atteignant tout le continent africain. Puisse l'exhortation apostolique post-synodale contribuer à ce que l'Église, qui est dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, exerce cette mission en Afrique, en devenant toujours plus protagoniste de la réconciliation, comme force promotrice d'une justice authentique et d'une paix tout aussi nécessaire. J'ai l'honneur de vous inviter, très saint Père, à remettre l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus au président des conférences épiscopales d'Afrique et à travers eux à toute l'Église catholique qui pérégrine sur le cher continent africain. Messieurs les cardinaux, vénérés frères dans l'épiscopat et dans les sacerdoces, chers frères et sœurs, au cours de cette célébration liturgique solennelle, nous avons rendu grâce au Seigneur pour le don de la deuxième Assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques, célébrée en octobre 2009 sur le thème « L'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Je remercie tous les pères synodaux pour leur contribution aux travaux de cette assemblée synodale. Ma gratitude va également au secrétaire général du Synode des évêques, Mgr Nicolas Eterovitch, pour le travail accompli et pour les paroles qu'il m'a adressées en votre nom. Après avoir signé hier l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus, je suis aujourd'hui heureux de pouvoir remettre à toutes les églises particulières, à travers vous, les présidents des conférences épiscopales d'Afrique, tant nationales que régionales, et les présidents des synodes des églises orientales catholiques. Appeler à la réception de ce document débute au niveau local les phases d'assimilation et d'application des données théologiques, ecclésiologiques, spirituelles et pastorales contenues dans cette exhortation. Ce texte ici promouvoir, encourager et consolider les différentes initiatives locales déjà existantes. Il désire aussi en inspirer d'autres pour l'Église catholique en Afrique. À présent, le Saint-Père va remettre le document de l'exhortation post-synodale au président des conférences épiscopales des différents pays d'Afrique. Nous accompagnerons cette réception
dans le chant et l'espérance. Thank you.
Chers frères et sœurs, au terme de cette solennelle célébration eucharistique, unis par le Christ, nous nous tournons avec confiance vers sa mère pour prier l'Angélus. Après vous avoir remis l'exhortation apostolique « Africemonus », je désire confier à la Vierge Marie, Notre-Dame d'Afrique, la nouvelle étape qui s'ouvre pour l'Église sur ce continent, afin qu'elle accompagne l'avenir de l'évangélisation de l'Afrique tout entière, et particulièrement celle de cette terre du Bénin. Marie a accepté joyeusement l'invitation du Seigneur à devenir la mère de Jésus. Qu'elle nous entraîne à répondre à la mission que Dieu nous confie aujourd'hui. Marie est cette femme de notre terre qui a reçu le privilège d'enfanter le Sauveur du monde. Que mieux qu'elle sait la valeur et la beauté de la vie humaine, que jamais ne cesse notre émerveillement devant le cadeau de la vie. Qui mieux qu'elle sait nos besoins d'hommes et de femmes encore en pèlerinage sur la terre. Au pied de la croix, unie à son Fils crucifié, elle est la mère de l'espérance. Cette espérance nous permet d'assumer le quotidien avec la force que donne la vérité manifestée par Jésus. Chers frères et sœurs d'Afrique, terre hospitalière pour la Sainte Famille, continuez à cultiver les valeurs familiales chrétiennes. Alors que tant de familles sont séparées, exilées, endeuillées par des conflits sans fin, soyez les artisans de la réconciliation et de l'espérance. Avec Marie, la Vierge du Magnificat, puissiez-vous toujours demeurer dans la joie, que cette joie soit au cœur de vos familles et de vos pays. Avec les paroles de l'Angélus, tournons-nous maintenant vers notre Mère bien-aimée. Confions-lui les intentions que nous portons dans nos cœurs et prions-la pour l'Afrique et le monde entier. Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui Angelo Nunciante, Christi Filii tu incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Requiescant in pace. La bénédiction finale que le Saint-Père va maintenant nous donner sera en même temps la bénédiction de la première pierre de la nouvelle maison des petites sœurs des pauvres dans le diocèse de Porto Novo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Et
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Id missa est. Mayo Yesu kwe mayolo
mayo, 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 Yesu kwe mayo lo. Et Camille a signé, Yesu kwe mayo lo.